Carlin, également connu sous le nom de Pug, est une race de chiens de petite taille originaire de Chine. Voici une description détaillée du Carlin. Les Carlins sont des chiens de petite taille. Les mâles mesurent généralement entre 30 et 36 cm au garrot, tandis que les femelles mesurent entre 25 et 30 cm. Morphologie : le carlin a une silhouette compacte et bien proportionnée. Son corps est musclé et légèrement court avec une ossature solide. La tête du carlin est grande par rapport à sa taille. Elle est ronde et large, avec un front bombé. Le museau est court et plat, avec des rides caractéristiques sur le front et les joues. Les yeux sont de taille moyenne, ronds et sombres. Ils ont une expression douce et attentive. Les oreilles du carlin sont petites, minces et souples. Elles sont généralement pliées vers l'avant et reposent près de la tête. La queue du carlin est bouclée, portée haut et enroulée sur le dos. Elle est de longueur modérée et bien attachée. La robe du carlin est courte, fine et lisse. Elle peut être de différentes couleurs, notamment le fauve, le noir, l'abricot et l'argent. Certains individus peuvent présenter des marques noires sur le visage, les oreilles et le dos. Le carlin est un chien de compagnie affectueux et sociable. Il est réputé pour sa personnalité amicale, enjouée et attachante. Il est connu pour sa nature douce et son tempérament équilibré. Les carlins sont généralement des chiens joyeux, amicaux et pleins d'entrain. Ils sont très attachés à leur famille et recherchent constamment leur compagnie. Ils s'entendent bien avec les enfants et sont souvent décrits comme des chiens adaptés à la vie en famille. Les carlins sont également réputés pour leur intelligence et leur facilité à s'adapter à différents environnements. Ils sont souvent décrits comme des chiens faciles à éduquer. Comme de nombreuses races de petite taille, le carlin peut être prédisposé à certains problèmes de santé, notamment les problèmes respiratoires en raison de sa face aplatie. Ils peuvent également être sujets à l'embonpoint, aux problèmes oculaires et aux infections cutanées. Une alimentation équilibrée, de l'exercice modéré et des visites régulières chez le vétérinaire sont importants pour maintenir leur santé. L'alimentation du chien carlin est un aspect essentiel de sa santé et de son bien-être. Voici quelques conseils généraux concernant son alimentation. Optez pour une alimentation de haute qualité spécialement formulée pour les chiens de petite taille, adaptée aux besoins nutritionnels du carlin. Les aliments commerciaux haut de gamme, qu'ils soient secs, croquettes ou humides, boîtes, fournissent généralement une nutrition équilibrée. Les carlins ont tendance à prendre du poids facilement, il est donc important de contrôler les portions pour éviter l'obésité. Suivez les recommandations du fabricant de l'alimentation pour déterminer les quantités appropriées en fonction du poids, de l'âge et du niveau d'activité de votre chien. Divisez la ration quotidienne en plusieurs repas plutôt qu'un seul gros repas. Deux ou trois repas par jour sont généralement recommandés pour les carlins.
Certains aliments peuvent être toxiques pour les chiens, tels que le chocolat, les raisins, les oignons, l'ail et les aliments sucrés. Assurez-vous de ne pas donner ces aliments à votre carlin. Assurez-vous que votre carlin ait toujours accès à de l'eau propre et fraîche. Veillez à ce qu'il reste bien hydraté tout au long de la journée. Chaque chien est unique et les besoins alimentaires peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que l'âge, le poids, le niveau d'activité et les problèmes de santé spécifiques. Il est recommandé de consulter votre vétérinaire pour obtenir des conseils personnalisés sur l'alimentation de votre carlin. Il est important de noter que les recommandations générales fournies ici sont destinées à servir de ligne directrice de base. Chaque chien est différent et les besoins alimentaires peuvent varier. L'observation attentive de votre chien, une alimentation adaptée à ses besoins spécifiques et des visites régulières chez le vétérinaire contribueront à maintenir sa santé optimale. Le chien carlin nécessite des soins réguliers pour maintenir sa santé et son bien-être. Brossez régulièrement le pelage court du carlin pour éliminer les poils morts et éviter les nœuds. Utilisez une brosse douce ou un gant de toilettage adapté. Les carlins peuvent perdre leurs poils, donc un brossage régulier aidera à réduire la quantité de poils dans la maison. Le carlin a des plis sur le visage, en particulier autour du nez, de la bouche et des yeux. Il est important de nettoyer ces plis régulièrement pour éviter les irritations et les infections. Utilisez une lingette douce ou un chiffon propre et humide pour nettoyer délicatement les plis. Le carlin est un chien de petite taille qui a besoin d'exercices réguliers pour rester en bonne santé et prévenir l'obésité. Cependant, en raison de sa morphologie particulière, il peut être sensible à la chaleur et à l'essoufflement. En résumé, le carlin est un chien de petite taille au tempérament amical et enjoué. Il est apprécié pour sa nature douce, son attachement à sa famille et sa facilité d'adaptation. Cependant, il est important de prendre en compte les problèmes de santé potentiels liés à sa morphologie particulière. Avec des soins appropriés, le carlin peut être un compagnon aimable et loyal.